Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. YouTube, évidemment, nous sommes toujours en live et il est toujours très tard. Il doit être quelque chose, allez, de tête, je dirais 22h28 et quelques secondes, évidemment. Et nous sommes toujours en direct live et vous êtes encore très, très, très nombreux, évidemment, à suivre la suite en live d'Alien et le suivre sur YouTube. Ça vous donne grave envie de suivre en live, donc ça fait extrêmement plaisir, surtout que je ne veux pas vous spoiler, mais en ce moment, les lives, je peux vous dire qu'on est à notre prime. Entre le retour des libres antennes, entre Alien, je peux vous dire que ça vaut clairement le coup de venir en live tous les soirs. MRBBoy45 sur Twitch à partir de 19h, je dis ça, je dis rien, évidemment. Allez, on est donc parti pour cet épisode 10 et on reprend exactement là où on s'était arrêté avec un Alien un peu perturbateur qui traînait dans la Streetzer. Ok, on avait save en urgence. Bah voilà. Est-ce qu'ils ont étudié ça? On va essayer. Est-ce qu'ils ont étudié ça? Le coup de l'échelle, c'est un classique dans les jeux. Est-ce qu'ils ont étudié le coup de l'échelle? Non mais... Bah voilà. Tout simplement. Hop. Aucun souci. Non mais, les gars. Les aliens ne savent pas prendre les échelles. Voilà. C'est dit. Y'a qui c'est que vous le découvrirez? Y'a qui c'est que vous le découvrirez? Un alien a peur d'une échelle. Tout simplement. Mais il faut y penser, les gars. Les gars, je vous vois arriver, le chat, évidemment que c'est du génie là ce qui vient de se passer, mais est-ce que je vous ai déjà habitué à des trucs comme ça totalement? What? Les gars, d'où Jésus? Fallait me le dire ça! Fallait me le dire ça! Ça sent pas bon. Je serre le fion. Car tout doucement, il peut débarquer. Et me monter. Oui, tout doucement. J'avance lentement. Car un alien. Hop. Les gars, je... Les échelles deviennent mes meilleurs copains. Vous avez entendu ça? Ok. Il y a quelqu'un ici, j'en suis sûr. Ouais, mais ça ferait vraiment... Je n'en dirai pas plus. Vous avez entendu ça? Oh la vache! C'est le bruit de mes chaussures qui grincent comme ça! Deux doigts de faire du breakdance dans le bordel. Oh.
vraie question, je suis mort. Il a pris une balle, le ref. Au pire, il y a la glitchelle. India is an Avenger. Je suis mort. Les gars, je crois que j'ai la chatte qui déborde. Hein. Sans mauvais jeu de mots. Oh, lui, il a pris deux balles. Ok. Oh, j'ai une chatte. Oh, oh c'est quoi ça? Ouais, je reconnais ça. Voilà. Énorme tatouf. Objectif complété. Bon, on va boire une petite gorgée avant de s'assécher. Vous avez entendu la petite goutte là qui remonte? Trouvez la sortie vers la centrale de fluide synthétique. Un classique. Ah. Les gars, je viens de voir l'alien se casser. Ah non, je croyais qu'ils étaient cassés la gueule. Je croyais qu'ils étaient là. C'était quoi? Non mais, on est d'accord. Il a loupé la marche. Non mais attendez ça. Y'a un bug ou pas? Y'a eu un bug là? Non mais y'a eu un bug où l'alien a vraiment glissé? Ah, on dirait Bloody quoi. Il est juste descendu, ok. Parce que j'ai cru vraiment qu'il s'était cassé la gueule. Hein. Ça aurait été extrêmement drôle, ceci dit. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok.
Très bizarre, un peu trop, ouais, beaucoup trop calme et trop de save. Je suis moyen serein. Tout est si vide. On peut faire confiance à personne. Je vais le faire à ma sauce. La question c'est, ils sont méchants ou pas? Moi bon, j'ai pas envie d'essayer. Au pire ils se feront graille par l'alien. Hein. Ah, synthétique, fluid plant. Attendez, j'ai counter la matrice ou quoi là? Attendez. Retournez voir Taylor avec le matériel médical. Parcourez Sixon synthétique pour trouver un chemin afin de retourner. Plateforme d'observation. Traitement du fluide synthétique. L'entrepôt. C'est donc ici que je dois aller. J'ai envie de lui décoller la gueule, les gars. Tout est si vide. Mais si je commence par elle, ça va dire oh, pourquoi tu commences? Il y a juste un truc que je piche pas là. Faut que je descende. Ça, c'est. Il fallait que j'aille là. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, je saisis pas. Ok. Ah, on est déjà passé par ici. Fallait vraiment que je prenne l'ascenseur? Ça me paraissait. Bah, c'est dommage. Je voulais faire quelque chose avec eux. J'avoue qu'une petite balle dans la tête comme ça, là. Ah, ça m'aurait bien hypé, tu vois. Ça m'aurait bien hypé. Mais vous savez, vous êtes sûr que c'est là que je dois aller? Ok, direction tour. Très bien, ok. Ok, c'était bien là. Aucun souci, les gars. Allez à la gare de transit Simed. Oh, sympa la musique. Moins sympa ça par contre. Ok, en gros, ça dit que demain, il n'y aura pas de futur ensemble. Très bien. Ah oui, je dois tourner vos... Ah bah ouais, la Russ... Let's go. La Rusk avait... Oh putain, j'avais oublié. Souvenez, il y a deux épisodes qui étaient très très mal en point. Notre copine, quoi. Et ils étaient là en plus. Ok. Attendez.
faut save ici ou quoi? Elles étaient juste derrière cette porte, cinématique. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Hey. Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de la Nessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé... Y a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ripley. Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. Il faut qu'on utilise le transit pour se rendre au QG. Oh là, on a fait ça pour rien. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuels dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Ouais, c'est ça. On en reparlera plus tard, Waits. Protégez-les pendant que je suis pas là, compris? Ricardo, verrouille sa fréquence radio pour qu'on reste en contact. Voilà. On a fait tout ça pour rien. Nala. Terrible, ça. Terrible, ça commence à coûter cher, ces histoires. Ça commence à coûter très cher. Oh non, tout ça pour sauver une meuf qui va sûrement mourir dans l'atroce souffrance. En vrai, les gars, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien de tout ça. Je pense qu'elle peut mourir aisément, hein. Ça poserait de problème à personne, hein. Putain, quelle vie. Ah bah, j'avais oublié ça, dites donc. Ok. Putain, en fait, c'est à chaque fois des manœuvres différentes, ils sont malins. Ok, un ascenseur comme ça, mais qui prend des ascenseurs ici, là, comme ça? Pardon? Les gars, j'ai plus de piles dans ma lampe torche depuis 8 ans. Elle est solaire ou quoi? Ça me stresse, j'attends que la pile se recharge toute seule. Quoi? J'ai un glitch, j'ai pile illimitée. Réactiver le transit sur la console principale. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce connard? Il est juste au-dessus le man. J'allume mon Rocky. Il est en train de se courave contre le bordel ou quoi, mon ref? Ok. Bon bah bonne chance. Sympa les claviers dans le turfu, hein. Merde, quelqu'un a tout éteint. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Tu vas te calmer, espèce de taré d'androïde. Qu'est-ce que c'est que ces bordels? Qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Vous ne devriez pas être ici. Oh non. C'était quoi cette merde? C'était ce... Pardon? Allez, je sais pas ce que je préfère.
entre les androïdes et l'alien, hein. Évidemment, l'ascenseur ne marche plus, hein ! Ok. J'ai un tuyau pour toi, Ducon. Sympa, ça, comme prénom. Essaye même pas d'aller tout balancer à Sinclair et au gars de la sécurité. Je leur ai dit que c'était toi qui avais tué Morrison. S'il te chope, t'es un homme mort. T'aurais pas dû me laisser te rejoindre ton abri. Redémarrer le transit. Ok, c'est fait. Toujours redémarrer. Un petit actimel pour redémarrer son transit intestinal. Merci le chat. Hein. Vous avez vu mon petit move de génie un petit peu, ça fait plaisir. Vous avez pris connaissance de mes capacités de brain exceptionnelles. Bonsoir. Monsieur, madame, monsieur. Ha, le chalumeau. El famoso chalumeau. Ok. Bon. Les bots, je les trouve monstrueusement terribles. Alors ça, par contre, je sais pas comment on chalumote, hein, les gars. Hein. Ça va être nouveau. Hein. Ok. J'aime bien la radio, ça fait du bien. Il paraît que ça adoucit les mœurs. Chalumeau. Comment on va utiliser ce chacha? Ok. Y'a pas un sabre laser là, la Star Wars? T'as Obi-Wan Kenobi? Ripley, ici Waits. Le transit est là, on vous attend. Montez, j'ai eu quelques soucis, il va me falloir un petit moment pour revenir. On peut attendre. Pas Taylor. Je prendrai la prochaine voiture. À vous de voir. Elle peut attendre, hein, je vous assure. Hein. Ça me ferait chier de mourir pour Taylor quand même. Hein. Je l'aime bien, mais enfin la petite. Ah. Tu dis quoi le routage?
Ok, je suppose que cette porte doit être super importante. On verra. Je suis Sinclair. Il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez, ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours. Des hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivres, des médocs, de l'eau et des armes. Si on veut que tout le monde s'en sorte vivant... J'ai eu tellement peur, bande de cons. Ils sont cons, hein. Ok. Premier mec qui se pointe, il prend une balle, j'en ai rien à péter. Qu'un seul putain d'humain ose passer cette porte. Je vous attends de pied ferme, moi. Bien ce que je pensais. Wait, sont en chemin dans le bureau du marchand dans la tour. Solomon, rejoignez-les là-bas. Empruntez le véhicule de transit jusqu'à la tour d'habitation. Ce n'est pas le bon. On s'est gouré. Bah alors, bibiche. Il faut que je prenne celui-ci. Pardon. Il a peut-être trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Un moyen de quitter le stade ferraille. Ça, alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers résidentiels. Va rejoindre Sinclair. Il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. J'en suis même plus si sûr, en fait. Cette chose est... impossible à arrêter. Donne-moi... Ah ! Ok. Ok. Bon. La première chose qu'on entend, c'est du bruit dans les conduits. Ensuite, encore un coup de Sinclair. Ses prières. Il a peut-être trouvé un meilleur endroit à dévaliser. Ou un moyen de quitter cette ferraille. Ça. Deux. Ou alors c'est aujourd'hui le jour où on s'enferme enfin dans les quartiers résidentiels. Ça fait beaucoup là. Cinq? Non. Hein. Je crois que la navette est prête.
mais les gars, rien que de sortir de ce casier... On va rejoindre Sinclair. Il est hors de question qu'on se sépare. L'union fait la force. J'en suis même plus sûr. Vraiment qu'on devrait rassembler cette chose et... des flingues de... impossible à arrêter. Donne-moi un bon angle de tir et tu peux dire au revoir à cet enfoiré. Ok, je crois qu'ils sont bons. Putain, c'est la merde. Je peux y aller ? Et ben voilà. Direction la tour d'habitation. Bon, plus d'humains que ce qu'on pensait. Et évidemment, la Diane, il va suivre qui? Il va suivre Bibi. C'est évident. Fouh, ça a swingé là. Ça a swingé. Ça va. C'était pas les épisodes les plus oppressants, honnêtement, ces deux-là. Retrouver Samuel, Taylor et les Merchants. Et ben voilà, c'était pas le plus oppressant. Ça va. Par contre, ça présage rien de bon. Entrer dans le bureau du marshal de la colonie. Un problème. Quelqu'un peut se battre. Cette station dessert la galerie marchande Solomon, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Ok. Et le chat, on va s'arrêter là. Bien sûr qu'on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a save au bon endroit sur cette petite rose, évidemment. Et cette rose est pour vous. On s'en est bien sorti quand même. On s'en est bien sorti, très bien sorti sur les deux derniers épisodes pour le coup, avec des petits coups de brain et tout. C'était très très cool. On sait que ça va swinguer. On sait que ce n'est que le début. Mais bon, hey, on est prêt à ça. Chat et YouTube, la suite, bon, ça sera jeudi. Voilà, jeudi, le chat, soyez là pour la suite vers 22h. Vous n'aurez pas encore cet épisode YouTube, mais vous aurez compris, vous aurez loupé la suite. C'est tous les mardis et tous les jeudis, la suite d'Alien. Allez, bisous YouTube !